Je vous présente, vous êtes dans la boucherie au Bugeau. Je suis là depuis 15 ans. Vous êtes dans un quartier qui est très populaire et qui a un pouvoir d'achat important. Un pouvoir d'achat important. Donc boucherie, une boucherie traditionnelle. Boucherie traditionnelle, oui, bien sûr. Donc charcuterie, viande. Donc toutes sortes de produits. Est-ce que vous avez des produits particuliers? Je vois sur les étalages. Qui sont réalisés par nos propres soins. D'accord. Donc spécialité maison. La variété de volaille est assez importante. Donc voilà, variété de volaille. Donc on voit d'ailleurs que c'est. Il y a pas mal de choix en termes de volaille. Donc c'est un peu votre spécialité, votre particularité. On reste en boucherie traditionnelle. D'accord. Avec un éventail de produits assez important pour pouvoir combler tout le monde. D'accord. Voilà. Je vois sur les étalages pas mal de conserves. Là c'est plutôt du dépannage. Hein. C'est surtout quand les gens sont oubliés le soir quand ils rentrent, quand tout est fermé ou quand. Pour éviter de faire plusieurs magasins, donc on leur donne le choix et puis la possibilité de faire leurs courses. Jusqu'à quelle heure On est ouvert jusqu'à 19h30 le soir. D'accord, donc c'est-à-dire pour les personnes qui habitent à proximité, voilà, donc, proximité du boulevard de Strasbourg ou boulevard de Bondy. Donc c'est de pouvoir s'approvisionner ici, voilà. En dépannage. Donc, et au niveau de votre clientèle, donc vous avez réussi à fidéliser une certaine clientèle? Comme je le disais au début, ça fait 15 ans qu'on est là et on a une clientèle fidèle et on essaye de faire des produits de qualité et des produits, voilà. Est-ce que c'est une clientèle qui vient essentiellement de Lesouvois ou vous avez également des personnes? Disons avec la désertification de toutes les communes, automatiquement on retrouve avec la clientèle de Blanc-Ménil, de Bobigny, de Drancy comme du Rassy, qui malheureusement les commerces partent au fur et à mesure. D'accord. En tout cas, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos lecteurs de Mont-Aulnay? Nous on est là depuis 15 ans et puis on n'est pas prêt de partir. Pour l'instant, on n'a pas prévu de changer d'enseigne et de qualité de produit. D'accord. Voilà. En tout cas, merci bien pour votre accueil. De rien. Et bon courage. Merci beaucoup.